Et salut, salut, salut encore les pros. Bienvenue dans cette leçon numéro 11 consacrée à Node.js. Aujourd'hui, nous allons parler des bases de données, principalement les bases de données non relationnelles. Parce que, vous savez, nous avons déjà pratiquement créé notre application. Il est question ici de vous montrer comment stocker ces données-là de telle façon que même si vous éteignez votre ordinateur et vous redémarrez l'application, ça va recharger les données dont vous avez enregistré précédemment. Ok, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une base de données, je vais parler ici très brièvement de ce que c'est qu'une base de données avant qu'on avance. Une base de données, c'est un logiciel. Vous savez bien ce que c'est qu'un logiciel, c'est un programme informatique. Comme tout autre programme, mais qui a pour charge d'enregistrer des données. Ça peut être textuel, ça peut être des images, ça peut être des fichiers binaires, ça peut être sur plusieurs formes. Maintenant, ils ont cette capacité, je veux dire, c'est le logiciel de base de données, de gestion de base de données. Ils ont cette capacité de pouvoir classer les données de façon ordonnée et de telle façon que lorsque vous avez besoin de ces données, ils peuvent très facilement les repérer pour vous donner. Donc, en principe, nous avons plusieurs types de bases de données, mais ici, nous allons parler très brièvement de deux bases de données. Les bases de données relationnelles, pour le cas ici, ce que j'appelle MySQL. C'est les bases de données relationnelles les plus populaires jusqu'à nos jours, principalement sur MySQL. Donc, vous pouvez voir bien son logo. Eux, ils sont également comparés à ce type de bases de données dont nous allons parler aujourd'hui, où nous allons faire le tuto dessus, les bases de données non relationnelles. Non relationnelles, on appelle bien, en fait, le nom le plus clair pour les appeler dans l'écosystème, c'est SQL Databases and NoSQL. NoSQL Databases. Donc, d'autres diraient même avant que, quand on parle de NoSQL, comme MongoDB ici, on dit les bases de données qui ne sont pas SQL. Mais en principe, ça veut juste dire les bases de données qui ne sont pas relationnelles. Voilà. La seule différence la plus inévitable ou la plus vulgaire, c'est que les bases de données relationnelles utilisent ce qu'on appelle des tables et ces tables sont constituées des lignes et des colonnes. Par contre, les bases de données non relationnelles, qui est la base de données que nous allons voir ici, par exemple MongoDB, utilisent ce qu'on appelle des collections et des documents. Donc, pour eux, les tables dans les bases de données non relationnelles correspondent à ce qu'on appelle des collections et les lignes et les colonnes correspondent à ce qu'on appelle des documents. Donc, très brièvement, voici à peu près la structure basique de ce qu'on appelle les bases de données relationnelles. Comme, par exemple, on a une base de données relationnelle qui stocke une table, avec qui contient une table qui stocke des données pour des utilisateurs. Donc, nous allons la visualiser un peu comme cette table comme vous voyez ici. Donc, quand on parle d'une table, il s'agit évidemment de quelque chose de ce genre, où vous pouvez avoir les différentes colonnes qui spécifient les différentes propriétés, par exemple le nom, le prénom, l'âge. Il a été ici généralement, pour la plupart des cas, on a toujours un identifiant unique qui, en fait, identifie chaque donnée enregistrée dans notre base de données. Donc, en bref, ce n'est pas un cours qui vous explique ce que c'est qu'une base de données, mais je pense brièvement, c'est un peu ça. Et lorsqu'on parle maintenant des bases de données non relationnelles, au lieu des tables, ils sont un peu représentés comme vous pouvez voir là. Donc, chaque table est maintenant appelée une collection. Et pour vous ici, par exemple, nous avons une collection utilisateur et une autre collection pour les blocs. Et c'est ce que nous allons même implémenter ici. Nous allons parler des blocs ici. Et dans chaque colonne, dans chaque collection, nous, on a ce qu'on appelle des documents. Des documents, des documents, ça peut contenir aussi autant qu'il faut. Et lorsqu'on parle d'un document en profondeur ou plus en détail, c'est quelque chose un peu de ce genre. Vous pouvez voir que ça ressemble pratiquement à un objet JavaScript. Et bien évidemment, c'est ça. Mais ça a ce format qui est légèrement plus différent d'un objet JavaScript et on les appelle des JSON. Donc, c'est en fait
Les documents sont stockés sous forme de JSON format. Je sais que pour un début, c'est un peu bizarre pour celui qui vient d'un background des bases données relationnelles, qui connaît plutôt la structure des tables et des colonnes, des lignes et tout ça. Mais en principe, c'est aussi simple que ça. Donc, nous avons trop parlé. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on voie comment installer MongoDB, qui est la base de données dont nous allons utiliser ici pour commencer notre tuto. Voilà, ok, vous pouvez bien voir ici, nous on a plusieurs façons d'utiliser MongoDB. Vous pouvez l'installer directement dans votre système d'exploitation, ce qui n'est pas le cas ici, juste pour rendre le tuto aussi plus simple. Mais si vous voulez vraiment le faire, aller sur cette URL et puis vous partez dans produit, le tab produit ici. Maintenant vous choisissez MongoDB locally. Et directement, vous allez voir ici MongoDB Community Server or Enterprise. Non, nous, on va utiliser la version Community qui est gratuite. Il y a plusieurs versions, mais pour faire simple, dès que vous choisissez Community, vous pouvez choisir votre système d'exploitation ici. Et une fois que vous choisissez, vous pouvez télécharger la dernière version tout simplement en cliquant ici sur Download. Ça va vous prendre un peu du temps, donc ça pèse environ 500 mégas pour les Windows Operating System. Et quand vous avez téléchargé ça, vous pouvez l'installer et plus tard, je vais faire un tuto sur ça pour transformer ce tuto et que nous, on utilise plutôt MongoDB dans notre machine locale. Mais ici, pour faire simple, on va tout simplement utiliser un MongoDB qui est déjà déployé dans le serveur et ça s'appelle ici Atlas. Atlas, MongoDB as a service, donc c'est dans un serveur cloud. Et ça nous permet tout simplement de l'utiliser très facilement. Et pour l'utiliser, vous devrez avoir un compte chez MongoDB. Ok, comme j'ai dit ici, la première des choses, c'est de se rendre ici dans le site de MongoDB et puis se connecter ou créer un compte si vous n'en avez pas encore. Donc moi, j'en ai déjà un compte. Je vais me connecter avec mon Google. Et voilà, nous sommes comme ça connectés et par défaut, MongoDB vous donne la possibilité d'avoir un cluster. Un cluster, c'est tout simplement une machine. Donc, il vous donne une machine avec des propriétés de base, 512 de RAM, et c'est gratuit. Mais vous pouvez uploader ou upgrader pour avoir un truc plus costaud, du vrai cloud. Comme j'ai dit, ici, nous sommes dans le cloud. Mais vous pouvez également installer MongoDB dans votre machine directement et je crois que nous aurons un tuto similaire à celui-ci où je vais vous montrer comment installer MongoDB dans votre propre machine pour pouvoir être plus efficace. Ici, vous avez cette dépendance de l'internet et puis c'est pas aussi une machine assez robuste en termes de ressources. Donc, si vous voulez faire un truc de sérieux, je vous conseille d'abord de l'installer directement dans votre machine avant de continuer. Donc, notre cluster ici, qui est notre serveur basé sur le cloud, c'est basé à Cape Town. Cape Town, je crois, c'est Afrique du Sud. Bon, il se base du fait que nous sommes en Afrique et puis il nous donne un serveur qui est plus proche de nous. Ça a beaucoup de fonctionnalités et tout. Voilà. Donc, sans trop parler, on va revenir ici au niveau de database. Mais nous, ici, on peut directement aller dans Collection, comme vous voyez ici, pour Browse nos collections. Là, ça nous permet de créer une collection qu'on va appeler ici Bloc. Pour l'instant, nous n'avons encore aucune collection. Donc, il demande si nous, on veut charger des collections d'exemple, des collections d'exemple. Donc, c'est une sorte de fonctionnalité qui vous permet de charger des données exemples pour commencer à pratiquer avec non. Nous, on sait exactement ce qu'on veut faire, donc on va ajouter pour nous des données par nous-mêmes. Donc, il nous demande ici le nom de la base de données. Donc, je prends ici Node App et le nom de ma connexion, c'est Bloc. Comme vous pouvez bien voir, je laisse tout là par défaut et puis je clique ici sur Create. Ça peut prendre relativement un petit bout de temps et puis boom, vous pouvez bien voir que notre base de données s'appelle ici Node et notre collection s'appelle Bloc et c'est bon à ce niveau. Il faut qu'on trouve un utilisateur, donc database accessé. Il nous faut ajouter un nouveau utilisateur, comme vous voyez là. Ici, il dit password. New database user. Donc, ici, il dit password. Je sais pas,
Donc déjà, le nom de l'utilisateur et le mot de passe, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, si vous arrivez là, il va vous demander un nom d'utilisateur. Nous, on va mettre juste ici du pro dev comme nom d'utilisateur et le mot de passe, on va mettre secret 1, 2, 3. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Cet utilisateur aura. Donc, on laisse les défauts, on lui donne root and write to any database. Donc, l'utilisateur, s'il peut écrire et lire dans n'importe quelle base de données, c'est très important que vous rassurez de lui donner ses permissions. Et puis, le reste, c'est bon. Donc, j'appuie sur entrée, sur add user. Et boom, vous pouvez bien voir que notre utilisateur BiproDev est ajouté ici. Là, il va vous falloir rentrer maintenant ici pour prendre la connexion. Donc, rentrer bien sur Atlas encore, qui ressemble à notre base de données. Nous, on a déjà une collection et une base de données. Donc, on clique ici sur Connect. C'est là où on va trouver quelque chose pour pouvoir se connecter. Et connection, tous. Et connection méthode. Donc, nous, on va choisir notre méthode de connexion. Voilà, ici on va dire connect your application. C'est la deuxième option, c'est voilà. Et ici il va nous donner ce qu'on appelle cette URL de connexion à notre base de données. Mais si vous lisez ici, ils vont vous dire de changer votre mot de passe par votre vrai mot de passe ici et changer également My First Database ici par votre par le nom de votre base de données. Vous vous rappelez, nous on a appelé ça notre app. Ici, le nom de notre base de données, on pouvait même peut-être l'appeler NodeDB. Donc, vous voyez, il va falloir changer My Password et My First Database avec le nom de votre base de données. Donc, c'est bon, on a copié le string là et on rentre maintenant dans notre code. Donc, je ne sais pas si nous avons déjà installé. Comme je vous ai dit, de façon plus sympa pour pouvoir être plus productif et plus professionnel, il va nous falloir utiliser un package node qui s'appelle je vais chercher ça, npm js, ça s'appelle mongoose. Mongoose en fait c'est cette base de données node qui vous permet en fait d'être plus efficace pour interagir ou pour utiliser node. Bref, peut-être je ne vous ai pas encore parlé de ça. Donc, si je rentre là, voilà, pour mes amis francophones, Mongoose est une librairie ODM. ODM veut dire tout simplement Object Document Modeling, Object Document Mapping. Donc, la librairie des mappings des objets et des documents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mongoose vous facilite la tâche de telle façon que à chaque fois que vous créez un modèle qui représente en fait une collection de votre dans votre base de données, Mongoose maintenant ajoute à ça des fonctions qui vont vous permettre de query, de faire ce qu'on appelle des queries, qui veut dire faire des demandes dans cette base de données, comme vous pouvez un peu voir ici. Mongoose nous donne peut-être la possibilité d'avoir un modèle pour les utilisateurs qui représente en principe la collection des utilisateurs dans notre base de données MongoDB. Et directement, ça nous permet d'avoir une méthode qui s'appelle getFindById et plum deleteOne and so on. Donc, c'est basiquement ce que c'est que Mongoose. Et maintenant, avec Mongoose, on travaille avec un système de schéma et model. Donc, le schéma définit la structure d'un type de données. Donc, si nous, on veut travailler avec une collection ici qui s'appelle un bloc, on devrait créer d'abord la structure. Si vous avez déjà fait le SQL, vous devrez bien savoir ce que c'est que la structure d'une table. Donc, ici, pour nous, dans Mongoose, le schéma représente la structure d'une table. Donc, et ici, on parle des collections, bien évidemment. Donc, vous voyez ici, titre, haplotype string et c'est required. Donc, c'est obligatoire d'avoir rempli ce champ lorsqu'on veut stocker dans la table ou dans la collection bloc. On devrait aussi avoir une autre colonne qui s'appelle bref et c'est aussi un string et c'est aussi obligatoire. Et puis le contenu qui est un string est aussi obligatoire. Si nous rentrons aussi dans le schéma d'un utilisateur qui est un autre exemple juste pour illustration, nous on aura par exemple un nom qui est un string, on aura l'âge cette fois-ci qui est un nombre
Et on a le bio, biographie, bref description de l'utilisateur, donc qui est toujours instruit et tout ça. Donc, le require veut tout simplement dire obligatoire. Et une fois qu'on a notre schéma, on peut maintenant la mapper avec un modèle et le modèle nous permet de communiquer avec les collections de notre DB. Et puis directement, quand on l'assigne à un modèle, on a directement accès à tous ces genres de méthodes qui sont attachées à notre modèle. J'espère que vous avez compris brièvement pourquoi on utilise ici MongoDB, MongoDB. Donc, il va falloir qu'on rentre l'installer maintenant pour démarrer. Voilà, comme je disais ici, ils sont à nos jours à la version 6.2.7 et peut-être le jour que vous allez suivre ce tuto, ils seront à une version plus avancée. Donc pour l'installer, tout simplement cette fonction. Voilà, nous rentrons ici dans notre terminal et puis à la leçon 11, donc on va coller tout simplement ceci et on va appuyer sur Entrée. Ça va prendre relativement un peu de temps dépendant de votre connexion et puis boom, vous aurez MongoDB installé. Et puis, super, MongoDB est bien installé et puis on peut rentrer dans notre code. Et comme vous savez très très bien, il faut commencer par l'importer ici, MongoDB qui est égal à require, comme tout naturel, MongoDB. Voilà, on vient comme ça de déclarer notre MongoDB. Il est question maintenant ici de créer notre UI. En fait, le string de connexion que nous avons créé ici, je ne crois plus que j'ai ça dans mon cache. Oh là là, il me faut encore aller retrouver ça. On part tout simplement sur connect, on touche et connection method, on clique ici et puis boom, on clique là. Et si je rentre là, je peux dire constante db connect. Non, disons db url, voilà, ça nous donne un string qui est similaire à ceci. Et il est question pour nous de changer my first db ici. My first db pour nous c'était node-app, tout simplement comme ça. Et pour notre password ici c'était secret 123. Voilà, je crois que notre string est finalement prête et maintenant pour que on puisse se connecter à notre DB, c'est aussi simple que de dire tout simplement mongoose.connect et puis on passe l'UI là, DB URL. Et normalement, si on rentre dans la console, on redémarre notre application, je crois qu'on devrait voir la chose commencer à bouger. Donc, si je rentre là, désolé, on va utiliser NodeMon ici comme début. NodeMon, le nom de notre application, c'est App. Et puis, comme vous pouvez bien voir, actuellement, comme j'ai dit, c'est asynchrone. Donc, en principe, ça s'est connecté déjà à notre DB. Et pour pouvoir mieux savoir si tout s'est bien passé, il va nous falloir ici utiliser un callback function, ici sous forme de promise, qui viennent avec edis.then result. Ah, pardon, il faut retirer le point virgule. Hein. Pour que la méthode .then, c'est parce que c'est une chaining méthode, donc c'est collé normalement à la suite ici, mais on part à la ligne pour rendre la chose plus lisible. Et le résultat, on va appeler ça ici en anglais result, c'est ce qui vient ici de MongoDB. Et puis on peut également avoir un catch méthode
qui nous permettent en fait de récupérer l'erreur ici pour notre cas, et on met là, on va vérifier cette fois-ci si tout c'est bon, on fait un log pour dire erreur. Donc s'il y a une erreur, on affiche l'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, on affiche ici que tout s'est bien passé, parce que si tout se passe bien, le code va exécuter ce qui est ici à l'intérieur. Donc on peut dire connexion avec succès à la DB. Voilà, donc si je rentre là, rafraîchis, je crois que si je rentre à la, je ne sais pas à quel niveau il faut rafraîchir, mais je vais aller à la page d'accueil de notre appli. On dit ici localhost au port 3000. Voilà, rentrons maintenant voir ce que celui-ci nous affiche. Bon, on arrête notre serveur et on redémarre pour que ce soit plus facile de voir ce qui va se passer. Donc en principe, si tout se passe bien, on devrait voir quelque chose s'afficher ici dans la console. Et je ne sais pas pourquoi. Oh là là, ça a pris énormément de temps. Et could not connect to any server in your MongoDB Atlas. One common reason is that you are trying to access the database from an IP address which is not in the whitelist. Make sure your current IP address is on Atlas Cluster IP whitelist. Je crois qu'il va nous falloir faire une configuration supplémentaire ici dans notre MongoDB. Ok, il savait que c'est pour une raison de sécurité que MongoDB a fait cela. Et lorsque vous êtes encore en développement, c'est pas grave, parce que en principe il faut ajouter l'adresse IP de la machine où votre application est hébergée. Généralement, si vous avez eu à héberger des applications, peut-être dans des VPS, des dedicated servers ou même des shared hosting, vous saurez que généralement on vous provisionne, ou c'est approvisionné. On vous approvisionne avec une adresse IP, donc, et c'est cette adresse IP qu'il faut placer ici. Maintenant, pour passer cette barrière, vous partez bien sur Network Access, et puis lorsque vous êtes là, donc il va falloir cliquer sur Edit, donc pour modifier cela, et on dit Allow Access from Anywhere. Allow Access from Anywhere veut dire allez, tout le monde peut se connecter sur cette base née, donc il n'y a plus besoin de filtrer les adresses IP avant de laisser accès. Donc, et si nous on retourne là et on stoppe notre serveur, donc si on fait ceci maintenant, on redémarre notre application, ça devrait prendre un peu du temps, et puis probablement on va bien voir connexion à la DB avec succès. Voilà, connexion avec succès à la DB, super. Donc ça veut dire que tout est bon ici, on se connectait déjà bien à notre base mail. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, j'aimerais que le serveur node commence à écouter les requêtes seulement quand on s'est connecté avec succès à la base mail, parce que notre application dépend des données qui viennent de Node. Par exemple, surtout la page d'accueil, on a besoin que Node soit connecté pour nous récupérer les données qui sont dans la base mail, je veux dire les blocs, pour qu'on les affiche. Donc c'est pour ça que on dit ici, quand la connexion s'est faite avec succès, voilà, le serveur nous peut maintenant écouter au port 3000, comme vous voyez, et de là toutes les requêtes qui passent par le port 3000 vont directement être faite après la connexion à la base mail. C'est pour que l'expérience utilisateur soit plus intéressante et que l'application ne bug pas. Donc maintenant, nous on peut par la suite commencer à faire ce qu'on veut, comme depuis on le faisait même déjà. Donc si je reviens ici et que je dis peut-être app.get, cette fois-ci il va falloir ajouter un peu des données dans notre DB, ajouter bloc. Vous savez bien que c'est comme ça qu'on le faisait depuis. On passe l'URL, on passe requête et réponse. Maintenant, c'est notre callback function. Et notre callback function à ce niveau, on va bien dire ici, qu'est-ce qu'il se faut.
Ok, ici, normalement, on devrait directement avoir accès à notre modèle pour pouvoir manipuler la base NIM, mais on n'a pas encore de modèle. Donc, je vais rentrer ici dans notre leçon numéro 11 et puis je vais créer un dossier que je vais appeler ici Models. Dans ce fichier, je vais créer un truc que je vais appeler ici bloc.js. Vous pouvez le faire avec capital comme ceci. Et ici, on va encore commencer par importer notre Mongoose d'abord, parce qu'on aura besoin de ça ici, qui est égal à require Mongoose. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est une fois après avoir l'importé, il faut créer une constante ici qu'on va appeler schema. Et cette constante va maintenant en fait porter le schéma de Node de Mongoose, comme vous voyez là. Et à partir d'ici, c'est bon, on peut maintenant créer tout comme comme notre bloc schéma. Et on dit que c'est égal à new, à la nouvelle, une nouvelle instance de schéma. Comme vous voyez là, le schéma, c'est qu'on a déclaré ici. Parce qu'en fait, c'est une classe. Et quand c'est comme ça, ça prend maintenant comme paramètre ici un objet. Et dans cet objet, on peut avoir notre titre. Ce titre prend aussi plusieurs paramètres. Le type ici, c'est quoi? C'est un string. Comme vous voyez, requirement. On peut dire que oui, c'est vrai, c'est croyant, true. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour la suite, comme ceci. Pour notre bref ici, c'est aussi un string. Maintenant, il va falloir mettre un point virgule ici pour séparer nos différents objets. Et ici, on va dire contenu, comme vous voyez là, c'est un string aussi et c'est croyant. Maintenant, notre schéma prend aussi comme deuxième paramètre qui va être appliqué à tous nos différents propriétés ici. Donc, on dit timestamp, quelque chose comme ça, et on dit que c'est égal à true. C'est un objet également. Time. Ok, j'espère que j'ai bien saisi. Et je crois que à partir de là, on vient de créer un schéma. Donc votre schéma, en fait, j'ai dit bien, c'est une instance de cette classe. Schéma qui est hérité de notre Mongoose. Maintenant, vous pouvez l'assigner à une variable et ça prend deux propriétés. Si vous voulez bien passer le timestamp va ajouter des champs extra, donc qui veut dire des colonnes extra à notre table bloc C. Donc, en dehors des titres, bref et contenu, on aura aussi un truc qui s'appelle created at and updated at, qui va être auto-ajouté grâce à ce timestamp. Donc maintenant, quand c'est bon, il est question de créer une dernière constante ici qu'on appelle notre bloc, et c'est justement notre modèle qui va être Mongoose, qui va être Mongoose.model, comme vous voyez là. Et ça prend maintenant deux paramètres. Le premier, c'est le nom de notre modèle. On voudrait que notre modèle s'appelle comment? Bloc. Tout court. Parce que généralement, le nom du modèle doit être le singulier de votre collection. Notre collection, c'était tout simplement quelque chose comme bloc, comme ceci. Maintenant, ça doit être le singulier de votre collection. Maintenant, qui commence avec la lettre majuscule, vous voyez, le singulier de bloc qui commence avec la lettre majuscule, c'est tout simplement quelque chose comme ça.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne vous rappelez pas vraiment de quoi je parle bien évidemment de notre base mais ici. Oh là là, la connexion n'est pas peut-être bonne. Oui, ça va prendre un peu du temps pour nous de rentrer ici et de finaliser. Donc, pour nous, si on revient là, on met virgule. Et deuxième paramètre, après avoir donné le nom de notre modèle, deuxième paramètre, c'est le nom de notre schéma, comme vous voyez ici. En fait, c'est pour pouvoir mapper, comme on a dit mapping, mapper à ce modèle le schéma-ci. Et directement, quand on le fait, la méthode modèle maintenant ajoute toutes les méthodes que nous avons besoin pour interagir avec cela. Et quand c'est bon, c'est tout. Il faut tout simplement l'exporter avec module.export, comme vous voyez là. Et non, on dit c'est égal à bloc. On veut tout simplement exporter ceci. Et là, nous pouvons directement l'importer dans n'importe quel autre fichier. Je vais renommer ça pour que ce soit plus cool. Là, on peut ajouter tout autre modèle ici à l'intérieur. Donc, on va l'appeler ici modèle, le modèle de notre application. Et au lieu de bloc, parce qu'on pourra ajouter plusieurs autres modèles ici avec les schémas. Voilà, suivant. Ici, nous, on rentre maintenant dans notre app ici. Il est question d'importer maintenant notre modèle. Vous voyez, c'est plus cool qu'on l'appelle modèle ici que de l'appeler bloc. Voilà, modèle est égal à require. Maintenant, si vous voyez, c'est un relatif path, ce n'est pas un module qu'on a installé, mais on l'a créé par lui-même. Donc, n'oubliez pas, on l'accède à travers le relative path. Donc, on met bien sûr quelque chose comme ça. Et là, directement ici, on a accès à notre modèle. Maintenant, on peut appeler maintenant notre modèle là ici, bloc tout court comme ceci, pour que ça reflète vraiment le nom de notre modèle bloc là. Et là, on peut rentrer n'importe où et commencer à l'utiliser. Et il était question qu'on puisse l'utiliser ici pour créer quelque chose que je vais appeler ici constant blog. Pour une instance de notre blog, on dit new blog. New blog. Et ça nous donne ceci. Maintenant, notre instance va prendre comme paramètre quoi? Un array qui attend à ce qu'on spécifie le titre. Et notre titre ici, c'est tout simplement mon tout premier bloc. Une bref qui est ici à propos de notre bloc. Et pour finir, un dernier qui est le contenu qui s'agit ici plus de détails sur notre bloc. Donc quelque chose comme ça. Et là, on a bien une instance de notre bloc. Donc ça va pouvoir matcher le schéma et puis à partir de là, comme c'est déjà un modèle, on peut avoir accès à quelque chose qu'on appelle bloc.save. Et cette méthode est directement accessible à travers le modèle. Maintenant, si nous on dit ici .then, comme c'est un callback function, donc ça doit pouvoir retourner les résultats si tout se passe bien, result en anglais. Ici, nous on fait ceci, on peut dire créer avec succès, ou on peut même peut-être utiliser le response.send pour afficher les résultats qui viennent d'être créés là dans notre console, dans notre navigateur. Donc, et on peut aussi avoir le catch
Yvon. On log dans la console s'il y a eu une erreur, quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé. On déclare bien notre requête get ici, mais cette requête get a pour URL quelque chose comme ça, parce qu'il faut pas qu'on oublie de mettre le slash devant. Voilà, donc on dit ajouter un bloc tout court. Pour ajouter un bloc, maintenant on passe les deux arguments. Maintenant on crée d'abord une instance de notre bloc qui reflète le schéma que nous avons défini, et directement on assigne à ces valeurs qu'on appelle bloc. Maintenant à partir de là, on peut avoir accès à cette méthode qui s'appelle save, et c'est une asynchronous méthode. Comme vous savez, Mongoose ajoute cette asynchronicité là, donc il veut dire ça écoute jusqu'à ce que la connexion à la base mienne s'est faite, et puis il a pu sauvegarder les données. Si tout s'est bien passé, il peut exécuter ceci, et ceci dit tout simplement qu'il rentre afficher ceci, le résultat qui a été retourné, parce que lorsque ça, le callback revient, ça revient avec le résultat qui a été retourné dans DB. On affiche ça maintenant dans notre navigateur. S'il y a eu un problème, on affiche dans la console comme ceci. Donc si nous, on rentre là dans notre navigateur ici, le site est bien là démarré. Maintenant il faut aller à l'URL précisée ici dans nos routes. Donc il s'agit de ajouter-bloc. Donc si je rentre là, je vais ici et j'accède à cette URL, ajouter bloc comme ceci, j'appuie sur entrée, c'est comme ça, en train d'essayer de se connecter. Voilà, boum, vous pouvez voir, je zoome un peu pour que vous voyez bien de quoi il parle. Ça c'est mon tout premier bloc. Le bref, c'est à propos de notre bloc. Le contenu, c'est plus de détails sur notre bloc. Et maintenant vous voyez un champ qui s'appelle ID, qui a été auto créé par Node pour pouvoir identifier chaque document, parce que ceci c'est un document dans notre collection qu'on a appelé bloc au pluriel. Donc maintenant, comme nous avons ajouté timestamp au niveau de notre schéma, c'est pour ça que vous allez voir ce created at and updated at. Donc cette valeur prend le temps courant à laquelle la donnée est créée dans la DB, et puis si on met à jour à jamais ces données, celui-ci, ce temps-ci va se mettre à jour également. Donc si nous on rentre dans MongoDB, on part ici dans Browse Collection, vous voyez, voici nos collections. Donc voici comment notre collection bloc est sélectionnée dans notre base qui s'appelle Note App. Ok, super, vous pouvez bien voir notre document dans MongoDB ainsi. Donc ces données, c'est vraiment ce qui a été créé. Peut-être au niveau du navigateur, ceci va être, ça va pas mettre objet ID ici, mais ça prend juste, ça convertit ça pour nous retourner tout simplement le string ici, si je me trompe pas. Oui, donc ça retourne tout simplement le string ici. Et justement, c'est comme ça qu'on vient de pouvoir créer notre truc. Si on met à jour ces données ici, par exemple, en disant mon tout premier bloc à propos, je commence tout en majuscule. Et puis, et je mets mon tout deuxième bloc ici. Voilà, c'est en majuscule. Voilà. À propos de notre bloc et tout ça, je garde le reste de même, et puis je reviens ici. La seule chose que j'ai à faire, c'est de rafraîchir le même URL ici, parce que ce n'est qu'à travers ça qu'on peut activer la méthode qui permet de sauvegarder les données dans notre base de données MongoDB. Donc allez, je rafraîchis rapidement. Ok, mon tout deuxième bloc. Si vous retournez ici, je veux dire, si on retourne dans MongoDB et qu'on rafraîchisse la page, on devrait bien voir notre deuxième MongoDB, bien notre deuxième document s'afficher aussi. Voilà, les documents sont bien là.
Ça, c'est mon tout premier bloc. Si on défile là, on peut voir mon tout deuxième bloc. Voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Voyons comment récupérer toutes les données et les afficher directement dans notre... en fait, que MongoDB puisse retourner toutes les données. Donc, c'est la même chose. On lance notre requête ici. Mais cette fois-ci, on va dire tout simplement bloc au pluriel pour dire retourne-moi tous les blocs. Ça prend toujours un callback function avec la requête et la réponse. Et à cette fois-ci, on exécute notre fonction. C'est à l'intérieur de notre fonction qu'il est question cette fois-ci de pouvoir appeler notre instance qu'on a importé ici, le schema ici, parce que cette fois-ci on veut retourner, on ne veut plus créer une instance, on veut directement à travers cette schema on peut accéder à quelque chose qu'on appelle find comme ceci pour dire allez retourne nous toutes les données. Maintenant, si tout se passe bien, s'ils parviennent à récupérer toutes les données, on peut mettre dans den maintenant, qui est une fonction qui prend le callback et ça sera sûr que tout est bon. Quand tout est bon, ça peut retourner les données maintenant. Donc également, on peut passer error. Étant donné que ici c'est un seul argument, parce que depuis j'ai cette habitude de les créer dans la parenthèse, comme c'est un seul argument, dans les arrow functions on n'est pas obligé de passer les parenthèses comme ceci, donc on peut bien le faire sans les parenthèses, ça marche aussi très bien. Donc on peut lock l'erreur. Si à jamais il y a une erreur, on lock ça dans la console. Maintenant, si tout se passe bien, il y aura un résultat qu'on appelle ici result en anglais. Et on pourra maintenant dire response.send. Vous voyez, on send quoi? Les results comme ceci. Donc, la méthode qui nous permet de retourner toutes les données qui sont dans une collection, c'est la méthode find. Et comme je vous ai dit précédemment, MongoDB ajoute la synchronicité à toutes les méthodes qui sont attachées à notre modèle. Et pour ça, on peut avoir une méthode then qui s'exécute si tout s'est bien passé et catch qui s'exécute s'il y a eu une erreur. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, voici notre modèle. Et si nous, on part à cette URL, vous aurez la possibilité de voir que ça peut nous retourner directement tous les deux articles qui sont dans notre collection. Super. Cette fois-ci, vous pouvez voir que ça retourne ça sous forme d'arrêt. Et en principe, c'est ce qu'on appelle un arrêt des objets. Voici le tout premier objet. Et voici le tout deuxième objet. Et si vous regardez bien, vous allez voir que c'est nos deux différents blocs qu'on a créés, mon tout premier bloc et le titre du deuxième, c'est mon tout deuxième bloc. Bref, c'est ça. Et ceci, c'est une sorte de données qu'on appelle le JSON. Ça ressemble énormément aux objets JavaScript, mais à la seule différence que au lieu de mettre le nom de la propriété de l'objet directement comme ça, sans passer par les doubles quotations comme ceci, la différence est que le JSON met les doubles quotations, que ce soit le nom de la propriété, que ce soit la valeur. Bref, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un tuto où j'ai parlé du JSON, mais je suis sûr qu'en JavaScript, on a couvert quelque chose autour du JSON. Super. Bref, on a pu récupérer un. On peut également récupérer un seul bloc tout simplement en faisant quelque chose comme ceci. Bon, je ne vais pas copier coller, j'écris, je saisis pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Je dis ici single bloc ou détail d'un bloc ou quoi que ce soit. J'ai essayé de le faire en anglais. Une requête, une réponse. Et puis on lance notre callback function. Par contre, le arrow function ici, comme ça prend deux arguments ici, vous êtes obligé de mettre ces deux arguments dans les parenthèses. Mais si c'est un seul, c'est pas obligé, comme je l'ai fait précédemment ici. Voilà. C'était juste pour attirer votre attention. Maintenant,
On veut récupérer encore toutes nos données. On appelle notre modèle bloc. Maintenant, cette fois-ci, on dit find by ID, comme vous pouvez voir ici. Find by ID. Et cette fois-ci, ça attend à ce qu'on passe l'ID ici. Et cette ID, je peux récupérer par exemple l'ID. Voici l'ID en fait. C'est ça qu'il faut passer. Si c'est dans un vrai programme, on pourra passer ça de façon dynamique. Pour l'instant, nous sommes encore en train de mieux assimiler la chose, juste en phase d'illustration. Maintenant, on peut accéder à notre méthode then result. Et on peut réponse dot send result. Comme vous voyez là. Et puis on vient ici, on vérifie s'il y a une erreur, on catch l'erreur tout court et lock error. Voilà. Cette méthode, cette fois-ci, dès qu'on accède à cette URL, ça lance cette requête et cette requête dit prend le modèle et tu accèdes à la méthode find by ID qu'on a passé l'ID. Donc ça va retourner, ça va filtrer tous les documents qui sont dans notre collection et puis il va retourner rien que le document qui porte cette ID. Donc en fait, c'est notre tout premier document. Si je rentre ici et je mets single bloc et j'appuie sur entrée, vous pouvez voir que ça c'est mon tout premier bloc. Donc si je rentre là encore d'abord là où on était et je prends aussi le deuxième ID ici pour le tout deuxième bloc, vous allez voir que cette fois-ci c'est le tout deuxième bloc qui va être passé. Donc je repasse le nouveau ID là ici et si je rentre encore dans single bloc, vous allez voir que c'est le deuxième qui sera affiché, mon tout deuxième bloc. Super, vous voyez un peu. Oui, donc MongoDB est assez puissant, ça fait honnêtement très très mieux que ça. Et surtout que notre cluster ici c'est juste une toute petite machine avec très peu de ressources. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous passez à l'option payante, vous pouvez avoir des trucs assez robustes. Mais comme je vous ai dit, lorsqu'on développe en local, la plupart du temps, pour être plus productive, on n'utilise pas l'instance qui est sur le cloud comme ça. Par exemple, vous voyez comment ça perd le temps pour charger ici, ce qui n'est pas du tout facile pour celui qui veut être productif. Donc, maintenant, vous pouvez customiser et avoir quelque chose de plus puissant, une machine même peut-être avec 100 Go de RAM. Ça dépend de la charge de votre application et tout le reste. Donc, bref, c'est bon. Quand nous, on va finir ceci, je vais alors faire un petit bonus pour vous montrer comment héberger ça dans un serveur. Je crois que ça va rendre la chose encore beaucoup intéressante. Je crois que ici, on a déjà touché pas mal de choses. Et maintenant, il est question de transformer ceci pour que ça puisse utiliser ces vraies données. On peut les faire en un clic. Au lieu de retourner ceci ici, on retourne par contre, comme vous l'avez vu ici. Vous voyez, on peut faire de telle façon que, ou on peut tout simplement copier. Donc, je vais essayer d'adopter ça très rapidement. Voici, en fait, ce qu'il faut retenir. Je copie, je reviens là dans l'accueil. Au lieu de prendre ces données-ci directement de là, ce que je vais faire, c'est ici, je change ceci, comme ça. Directement, au lieu de retourner les données qui viennent de ce bloc, on va plus du tout. On va plus du tout. Parce que ceci n'est plus important, on peut commenter comme ceci et on va plutôt passer les résultats ici. Maintenant, si on veut que celui-ci soit représenté comme un vrai comme toujours les résultats ici, parce que normalement au niveau de nos vues comme on avait vu précédemment, je sais pas quand,
à l'accueil, oui, cette variable est attendue comme bloc. Exactement, la syntaxe compte beaucoup, donc ça doit avoir le même orthographe BLOGS. Donc maintenant, je peux revenir ici plutôt au lieu de passer resolve, parce que c'est resolve qui porte nos données, nos blocs maintenant. Je vais plutôt essayer de faire quelque chose comme ceci. Donc notre truc devient comme ceci, titre. Donc je fais de ça un vrai bloc, un vrai objet JavaScript. Et ici, je mets plutôt mes resolves maintenant. Voilà. Et si vous regardez bien, là, bloc C va maintenant porter les résultats. Si nous, on rentre à la page d'accueil subitement, vous allez voir que la chose a changé. Donc, je rentre là et puis j'appuie sur Entrée. Je sais pas si... Ah, c'est trop zoomé là. Désolé. C'est juste pour ça. OK. Vous pouvez voir mon tout premier bloc, mon tout deuxième bloc. Voilà. Maintenant, je peux aller créer un troisième truc tout simplement pour que ça reflète encore. Parce que ceci n'est plus utile. Hein. On peut supprimer ça déjà. Et là, je vais vous montrer comment gérer ceci. Mon single bloc. Ok, j'étais censé vous montrer comment créer un troisième bloc. Ici, je vais appeler ça intro à node.js pour le pro. Voilà. Node.js reste l'un des meilleurs. Oh là là, des meilleurs backend framework ou library ou whatever. Ok, donc on a ce souci parce que ici quelque part à l'intérieur on utilise déjà les codes ici. Donc pour épargner, pour bypass ça, pour éviter ce problème, on va plutôt mettre les doubles côtes aux extrémités et là celui qui est à l'intérieur n'aura plus de problème. Donc, je peux fermer ici comme ceci. Vous voyez que tout est bon. Donc, si je rentre là, exécuter encore à la page, j'ajoute. Je vais sur l'URL. Pour l'instant, on ne va pas utiliser encore le formulaire. OK, c'est bien ajouté. Si nous, on rentre à la page d'accueil, automatiquement, vous pouvez voir introduction à nous pour les pros. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup ici et là, on vient de vous introduire à MongoDB qui reste l'une des bases nées non relationnelles beaucoup, beaucoup utilisées sur des grosses applications dont vous voyez là dehors. Je crois que c'est assez intéressant que vous y mettez. Vous pouvez fouiller plus, rendre votre application plus intéressante. Donc, ça dépend de vous. Allez et puis... Assurez-vous d'avancer davantage et en faire mieux que ce que nous avons fait. Et puis maintenant, par la suite, nous allons voir comment aller un peu plus de l'avant et pouvoir ajouter des blocs à partir des formulaires ici et puis supprimer. Et puis même peut-être ajouter une autre URL qui nous permette à partir d'une liste comme celle-ci, cliquer ici pour aller dans la page de détails et tout ça. Donc restez scotché et likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.